Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de... Hop. Je veux la moto. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, pardon. On va donc essayer de redescendre par là sans mourir, ça a déjà failli tout de suite là. Putain. Ah, il est débile parfois. Il continue de fumer son cigare. Vous allez venir me sauver ou pas, bande de nazes? Oh putain. Oh, c'est des champions. Oh, c'est des champions. Merci. Putain, il faut que j'arrive. Faut que j'attende une minute pour qu'il me sauve, quoi. Ah, regardez-le, il est en train de crever. C'est ce qu'il est en train de penser, en fait. Alors, je vais te redire ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais juste pas passer par là, hein, c'est tout. Par contre, là, ce qui m'emmerde de plus, c'est le fait qu'il y a un sniper un peu plus haut. Oh putain, ça c'était pas prévu. Mais ça passe quand même. Ah non, même pas. Et remarque, si je peux éviter 95% des ennemis, j'économise des balles, hein. C'est loin ça. Plus si tout ça. Ils ont trouvé leur copain. Faut griller, recule. Ennemi repéré. Une cible avec des pistolets mitrailleurs. On a donné un coup de pied dans la fourmilière. C'est le snipe qui a prévenu, non? Oh, t'es un grand sniper, toi, ouais. Toi, t'es un champion du monde, hein. Mais qui ça? Tu me parles de personne, mais je ne sais pas qui c'est. Je viens juste de me faire un camp rapidement, sans le moindre pépin, et tu me fais chier. Boom, bitch, get out of the way. Ok, bonjour. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un accord, écrit, signé. C'est la zone de la prison. Vous savez quoi, on va prendre la bouffe quand même. Il y a un mec qui est arrivé dans le camp. T'es débile quand même, hein, t'as lâché ta propre grenade. Bref. Ok. On va mettre un petit peu de points là-dedans, histoire de profiter de la médaille. Arme. Comment je fais pour avoir ça? Qu'est-ce qu'il me faut? 6000 de bouffe, rien que ça. Il faudrait que j'ai ça aussi pour 5000 de soins. J'ai 12k de... Ok. C'est bon. De reco. Ok. Cool. Bah écoutez, sur le chemin, il y a ça, donc... C'est quoi ça comme arme? D'accord. Ouais. Je vais aller là, hein. Pour me rendre ici. Crac. Pas m'emmerder, hein. Je vois pas pourquoi je m'emmerderais, hein. Pour le coup, là, il y a vraiment finalement peu. Vous voyez, je me suis plaint dans le présent épisode. J'ai dit, il y a 3 trucs par région, même qu'elles soient toutes petites. Ça fait tellement de régions que c'est improbable que ça puisse être un pays ennemi. Et ben voilà, il y en a plus qu'une dans celle-ci.
Allez, hélico, hélico, hélico. Hélico presto. Voilà, ça c'est la blague de l'épisode, je la note. Hélico presto. XD, voilà. Hop, wouhou. C'est parti. Hélico presto, putain. Je suis vraiment con. Ah là 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 là. Ah, un aéroport. Cool. Ouh, l'orage, moins cool. Ils nous ont pas vus. Ah, oh, on pourrait peut-être se faire un petit coup le fusil allemand. Ah oui, par contre, je vais peut-être avoir une plus grande portée avec celui-là, moi. Voilà, portée. Le gemmat utile a pratiquement pas de portée, en fait. C'est tout simplement ça. Par contre, il y a une plus grande cadence de tir. Ok, on le modifie. Pièce. Accessoire monté. Poignée V4. Précision. Hop, je vais plutôt aller sur la précision. Ok. Je l'admets, je suis assez déçu. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. J'ai repéré un autre ennemi. J'en vois un troisième. J'ai repéré un avion de ravitaillement, il a l'air plein. On devrait prendre, ça pourrait servir aux rebelles. Il a raison. Je me mets en position, pour que je trouve une meilleure position. Ok, je me déplace. J'ai aligné la cible. Compris, je l'ai dans le viseur. Je suis prêt, quand tu... Moi je l'ai plus. Parce que ce trou du cul longe le truc. On va attendre. Et un de moins. Cool. Bon bah voilà, problème résolu. Hey, ça va. Donc on va prendre l'intel. On va bien provoquer des ennemis dans... Oh merde. Merde, il en restait un. Oh. Le con. Il est là. C'est bon, problème résolu. Ok, donc ici nous avons ceci. Jolie photo. Nous avons la médaille. Nous avons l'intel. Et nous allons avoir l'avion. Si avec ça on n'est pas heureux. Ok, hop là. J'aime pas ce style de musique. Tu peux te... Voilà. Et je suis sûr que mon avion a pris des dégâts. Bêtement. Apparemment, il y a un angle selon lequel. L'avion prend des dégâts. Je crois que c'est celui-là. Hein. De toute façon, on est bien comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal comme. Alors, hélico presto et. Je fais de l'avion à l'envers. De mieux en mieux, Marcus. De mieux en mieux. Oh là 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 là, ça ne va plus. La piste est courte. La piste est très très courte. Tout a l'air intact.
Voilà. Parfait. Il me manque encore 800, donc je suis niqué quand même. Ok. Je suis ici, j'ai une mission ici et j'ai une mission là. J'ai l'impression qu'il va pas y avoir des masses de missions dans cette région, c'est marrant. On va aller prendre celle-là. Il suffit qu'on indique les coordonnées aux rebelles et ils passeront chercher tout ça. Oui, Karen, je t'écoute. Ah non. Putain, merde. Je suis désolé, hein, moi ça me fait marrer. Hein. De le voir râler pour on sait pas quelle raison. Il aime peut-être pas l'orage, hein. Qui sait ? Qui sait, qui sait, qui sait ? Ah là là ! C'est l'avantage dans ce genre d'endroit où tu as une grande zone. Tu peux faire ces conneries-là. Dans les jeux comme GTA où t'as trop souvent de grands immeubles, tu peux pas. Et bah là, tu profites. C'est débile. Coucou! Ah, limite, et je le poserai bien, il n'y a personne de méchant ici. Je repars avec moi. Mais qu'est-ce que tu me chies? Le village de Rosario a été converti. Moi, c'est là que je voulais aller! Mais qu'il est con, il m'a renvoyé à la. Allez, salut les filles. Bonjour, qu'est-ce que ? Bonjour. Oh bah là, il va voler beaucoup moins bien. S'il s'envole un jour ! Ah bah, il est stuck, hein. Il est coincé. Ok ! La jamanica ! Ce n'est pas grave. C'est vraiment à 250 mètres ? Mais non, putain, mais enlève-moi ça, j'en ai rien à foutre de ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la mission. Bonjour. Je suis chaud bouillant, dit-on. D'ailleurs, mes vêtements camouflent entièrement ma signature énergétique. Hein. Ma signature thermique, pardon. C'est assez incroyable. Je sais même pas où je suis, en fait. Je suis supposément à l'aéroport, mais... Bon. Ça fait longtemps que vous voulez que je le fasse, sans doute. Deux secondes, je prends le volant. Allez, c'est parti. Hop. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On y va, on y va, on y va. C'est cool, c'est cool, 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 cool. Girolimo ! Oh, putain de merde. Je suis vexé. On retente. Toujours pas, hein. Ah là là. C'est chaud ce qu'on peut faire dans les jeux vidéo, mais qu'en vrai on peut faire aussi. Tout le monde pensait que j'allais finir ma phrase autrement. Eh ben non. C'est comme l'un des japonais, c'est Nikkei. C'est comme Nishikoryo. En finale de Roland Garros, c'est Nikkei. Bref. Allez, on descend. On arrête de faire mine. Oh là 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 là. Et elle roule encore. Mais est-ce vraiment ça le pire? Ouh. Ouh. Je vois des choses et elle roule encore. Ah. Oh non. Non, elle roule. Autant pour moi. La vraie question, est-ce que j'ai vraiment gagné du temps? Elle roule. Par contre, j'y vois que dalle. Je coupe les phares parce que sinon je vais rien y voir. Elle roule toujours. Ouh. Là par contre, il y a du monde. Le cartel a construit un mur d'enceinte pour transformer tout le village en prison. Alors on fait quoi? Comme d'habitude, on s'infiltre, on trouve le bureau du directeur et on cherche des infos sur les personnes disparues. Il doit y avoir des réponses là-dedans. Allez, go. Il va me falloir mon autre snipe hein, parce que là c'est pas assez puissant comme zoom ce que j'ai sur celui-là. Ok, allons-y. Vois des panneaux lumineux par ici. Il y a un sniper là-bas. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs.
Je pense qu'on on peut l'envoyer, hein, ne serait-ce que pour une minute. Il y a une patrouille de deux hommes en dehors. C'est bien organisé finalement. Sur le toit, cible sur le toit. J'envoie 10. Je désigne un ennemi. Il a des civils à côté de lui. J'envoie un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Ils ont posé des alarmes. Attention, c'est une tourette fixe. Ok, ça fait 15. Je repère une batterie fixe. Cible repérée. Bon, c'est déjà pas mal, hein. La cible à droite ne l'est pas, hein. Si ? Il l'a eu ? Il l'a eu, cool. Cible là-bas, 250 mètres. Touché. Alors j'aimerais avoir ces deux-là. Cool. Il m'en reste un que j'aimerais avoir. C'est celui là-bas. Une fois que j'ai eu cela, j'aurais eu toute la première entrée en... sans avoir eu à rentrer en fait dans le... dans le bâtiment. Putain, j'ai la cible en visuel. Oh là là, cette précision d'un Marcus. Cette précision d'un Marcus. Je peux donc rentrer sans le moindre pépin là-dedans. Ce qui est plus qu'excellent. Puisque d'ici, du coup, je peux continuer à repérer toute la région. Bonjour monsieur, madame. Chose. Être vivant. Je pense qu'il y en a dans les bâtiments. Madame, bonjour. Il manque quelqu'un dans le coin. Oh, cette musique. Ok. Lui, je l'ai maintenant dans mon radar. Ce qui m'emmerde plus dans cette histoire, c'est que j'ai l'impression que j'en loupe là-dedans. Il y en a aussi un là-haut, mais je sais pas s'il pourra me snipe. Je me mets en position. Faut que je trouve une meilleure possible. On a des cibles. Ok, je me déplace. Je vais le repérer quand tu veux. Je suis en position de tir. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. Ah putain, ils descendent, ils sont nombreux à descendre.
Merde! Merde, merde, merde. Appuie, le truc est de l'autre côté. Faut surtout pas qu'ils appellent des renforts, mais ils vont sans doute le faire. Ah, je peux pas la désactiver, d'accord. Faut que je me cale ailleurs. Ici ce serait pas une mauvaise idée. Pourquoi j'en ai plus que deux ? Tout le monde est bon là ? Je tire. Ennemi abattu. Qui c'est qui me repère ? Qui c'est qui m'a repéré là ? Ok. Je crois bien qu'ils ont annulé l'état d'alerte. Honnêtement, j'en doute, hein. Mais quel con, je me trompe de bouton. Oh, mais quel con. J'ai demandé aux rebelles de faire un repérage de la zone. Eh merde, on est repéré. J'ai demandé un tir indirect aux rebelles. J'ai demandé des renforts à Pak Katari. Le mec, il est bon quand même, hein. Voilà. Putain, il y en a un dans la maison. Eh merde! Y'a que Midas qui m'aide, merde. Merde! Le pire, c'est que je l'ai pas entendu! Voilà. Il y en a encore une, là-bas. Wow! Salut, l'ami! Je sais pas ce qui s'est passé. J'aime ça manger des patates, allez on y va. James Bond like. Para 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 pao. Para para pao. Para 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 pam pam param param pam pam param param pam pam param param pam 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 pam. Là il y avait trop d'ennemis là-dedans pour que ce soit un simple bâtiment classique. Ah bah en fait non. Coucou. Non. L'argent et tout, mais j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de le prendre. Ouh. Ça réparait des choses, ça cuisine des choses aussi. Mikasa et Tsukasa. Ok. Salut. Barak.
Bon, où est-ce qu'il est, ce putain de... Attendez, il y a de l'électricité qui passe. Merde, je vais avoir le hockey maintenant. Non ! Wouah ! Non, ça c'est dégueulasse. Ça, c'est proprement dégueulasse. J'essaye de jouer de manière intelligente, hein, mais... Oh oui, dans l'église. Je le sens bien. Non ? Bon bah non. Bon, d'accord, c'est pas par là. Capiche. Capiche, capiche, hein ? Je trouve pas. Cette maison là peut-être? Je peux pas monter à l'escalier. Je crois qu'on les a énervés. Hop, pourquoi pas après tout. On monte comme ça. Si tu le souhaites. Y a pas d'autre étage? Non. Un, dos, tres. Ah. Des archives des prisonniers, elles sont là-dedans. Il faut qu'on entre pour voir ce qu'on peut trouver. Les médailles bonus, s'il te plaît, merci. L'emplacement est marqué là. Un susboule. Gros dégueulasse. Un PC. Ah. Les archives des détenus, elles sont là-dedans. Pas le temps de faire la fine bouche, on n'a qu'à tout télécharger. Téléchargement en cours, restez en position. Oh. Ah non, je crois qu'il fallait couvrir la zone. Ok, bon. Terminé. On s'exfiltre et on transmet à Bowman. On croise les doigts pour qu'elle trouve quelque chose d'intéressant. Ouais, rien à regarder, c'est nul. Quand il avait la dose, hein, je veux pas dire, mais... Ok, bon, bah finalement on s'en est plutôt bien sorti. Je croyais qu'il allait mourir. Bonjour madame. Vous faites à peine flipper comme ça dans la lumière toute seule. Ok, bon, bah ça se passe plutôt bien. On va se téléporter. Je suis en combat. Ah, bon, bah là, je suis plus en combat, du coup. Voilà. Bon, bah, on va cesser là, chers amis, pour cet épisode. En tout cas, j'espère que cette série vous plaît toujours autant. Moi, le jeu, je trouve assez moyen. Cependant, je prends du plaisir à y jouer. Donc, ça va encore. Quant à moi, je vous quand même retrouver dans 2 jours pour la suite de l'aventure. Salut. Dans 2 jours. C'est vrai que j'ai dans 2 jours maintenant, mais c'est vrai qu'avec les lives, ça décale un petit peu. Donc, bah, à la prochaine, tout simplement. On va pas se chercher plus loin. Salut.